J'entends pas, qu'est-ce que tu dis? Je dis avec un peu de chance, on aura fini en septembre. Commence pas, Loïc. Tu feras ce que tu veux après les examens, en attendant, je veux plus que tu sortes. Arrête de me stresser. De toute façon, ça sert à rien de réviser au dernier moment. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils a son bac dans 2 jours et il veut les traîner avec ses copains. C'est juste une heure, histoire de me détendre un peu, c'est tout. Bah, ça m'a pas l'air très raisonnable, ça. Allez, c'est bon. De toute façon, t'as toujours été du côté de maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me comprends. C'est comme cette idée à la con de venir habiter dans ce bled paumé. Écoute, on en a parlé ensemble, je te rappelle. Tu te fous de moi? Tu sais très bien que je vais prendre une piole en ville. Tu parles pas comme ça à ton père! Tu vas où comme ça? Nulle part! C'est le salon qui va prendre du temps. Entre le carrelage et la peinture, là, il y a du boulot. Par contre, le crépi dans l'entrée, là, je sais plus trop si c'est une bonne idée. T'inquiète pas, va. Ça lui passera. Faut le temps qu'il s'habitue, c'est tout. Loïc. Sarah, je vais vous parler. Tout de suite. Vous vous êtes trompée dans le dosage de Madame Lacombe. Heureusement qu'on a réagi vite. Elle aurait pu faire un arrêt cardiaque. Je suis désolée, je comprends pas, j'étais plus tension. Je ne suis pas idiote. Je sais que vous prenez les heures de garde de vos collègues. J'ai fermé les yeux tant que je pouvais, mais à présent c'est terminé. Regardez-vous. Vous n'êtes plus en état de faire votre travail correctement. Sarah, cela va faire plus d'un an. Il faut recommencer à vivre.
Rentrez chez vous. Anaïs va vous remplacer. Je ne vais plus vous voir avant lundi, c'est compris ? Le chef avait l'air furax. Tu sais, pour tes insomnies, on va parler d'un nouveau médoc très efficace. Je peux me renseigner si tu veux. C'est gentil. Il faut que j'y aille plus tard. Ouais, c'est ça. À plus. Bonsoir madame, gendarmerie nationale. Vos papiers s'il vous plaît. Tenez. Vous habitez dans le coin ? Un peu plus loin, près Bischheim. Je travaille à l'hôpital d'Haguenau. Vous n'avez rien remarqué de particulier cette nuit ? Un véhicule suspect, ce genre de choses ? Non. À vrai dire, j'ai pas croisé grand monde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Deux maisons du coin viennent d'être cambriolées. Tout le monde est parti en vacances. Du coup, les voleurs en profitent. Tout est en règle. Très bien, vous pouvez y aller. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, madame. Et ouvrez l'œil quand même. Il est 2h du matin. Bonne nuit. Ça va aller. Je suis désolée. T'as surgi d'un coup. Je t'ai pas vu dans le noir. Moi. Tu vas venir avec moi. Je vais t'aider à te relever, d'accord ? Tous voir la tête. Ça va, tu peux marcher ? Aidez-moi, s'il vous plaît.
Monte. Calme-toi. Je vais m'occuper de toi. Montez, faut partir tout de suite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Démarrez vite! Venez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Plus vite! Plus vite! Je peux pas! Mais c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Tu faisais quoi au bord de la route en pleine nuit? Tu fuyais quelque chose? C'est cet homme? Tu le connais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux me parler, n'aie pas peur. J'ai vu son visage. Le cambrioleur, je l'ai surpris chez moi. Moi, je venais d'entrer de soirée, je dormais pas. Mes parents sont partis en vacances, ils m'ont laissé à la baraque. Ils devaient penser qu'il y avait personne. Ils portaient pas de cagoule, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il me poursuit. Tu sais, c'était peut-être pas lui. Sinon, pourquoi nous laisser filer? Il aurait pu facilement nous barrer la route. Tu crois pas? À mon avis, il est déjà loin, ton grand méchant loup. T'as sûrement raison. Où on va? Chez moi. L'hôpital est trop loin, il faut soigner ton bras. En fait, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Arthur. Mal? Non, ça va.
Voilà. Même pas besoin de point de suture. Dans quelques mois, ça ne se verra même plus. Je voulais trouver, tu aurais dû freiner. Ne pas t'en vouloir. C'est pas toi qui m'as fait ça. Comment ça? Il avait un cutter. Et quand j'ai voulu m'enfuir... Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il faut faire quelque chose, ce type est dangereux. Tu vas appeler la police? Mais je l'aurais déjà fait, il n'y a pas le téléphone ici, on l'a jamais fait installer. Mais c'est quoi ton plan alors? La gendarmerie de Bicham est à une vingtaine de kilomètres, on va prendre la voiture. Non, je veux pas sortir, non. Mais ça va pas, c'est un malade, il a essayé de te tuer. Plus on attend, moins ils ont de chances de l'arrêter. Et surtout, à nouveau sur lui. Non, je t'en supplie, attends demain matin. Passons la nuit ici, Sarah, j'ai peur. Chez toi, je me sens en sécurité. D'accord. Mais on partira dès qu'il fera jour. T'es sûr que tes parents vont pas s'inquiéter? Non, ils sont partis à l'étranger. Ils appelleront pas avant lundi. Et puis je suis majeur, tu sais. Tu peux en avoir besoin. Il fait frais ici la nuit. Je t'ai apporté ça aussi. Ton t-shirt est dans un sale état. Merci. Je m'excuse pour l'état de la maison. C'est mon mari, le bricoleur. Il est reparti vivre en ville et n'a jamais fini les travaux. Il va vraiment bien. Tu peux le garder si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quelque chose? Ma médaille. La chaîne a dû se casser. Elle doit pas être bien loin. T'en fais pas, on la cherchera demain. Non, faut la retrouver. Mes parents vont me tuer. Mais non, je suis sûre qu'ils comprendront. On voit que tu les connais pas. Tu veux voir une photo? Bien sûr. C'est une belle famille que tu as là. Et toi, tu y es pas? C'est toujours moi qui prends les photos. Je suis au coucher. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me réveiller. Je dors jamais vraiment, de toute façon. Bonne nuit, Sarah. Et encore merci. Bonne nuit, Arthur.
T'as permis d'entrer ici? Rien, rien, je voulais pas. Je... Sors d'ici tout de suite! T'as rien à faire là, t'as compris? Thank you.
prendre sa voiture. Alors, j'arrive même pas, c'est trop loin. Il va nous rattraper. Non, vite. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez de nouveaux messages. Bonjour Michel, c'est maman. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez eu vos temps. Appelle-moi quand même pour me dire si vous êtes bien arrivé. Je vous embrasse. Hey, salut, c'est Fabrice. Je viens de rentrer de New York, là. C'est vraiment un pays de fou, hein. J'adorerais. Surtout ton fiston qui passe son temps devant la télé. T'as l'impression d'être dans un film en permanence. Bon, allez, ciao, rappelle-moi.
Eh oh, doucement les affreux là, hein. Remis dans sa chambre. Ça fait du bien d'entrer chez soi. T'as réparé l'alarme? Je sais pas ce qui s'est passé là. C'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup. Faudrait penser à la changer. On ferait mieux de prendre un chien. Ouais, j'en veux un comme Laetitia. C'est un Yorkshire qu'elle a, ta copine. T'es avec ta mère? Non, tu penses. C'est la première chose que j'ai fait. C'est plus fort qu'elle, elle s'inquiète toujours quand on est sur la route. Elle vient, oui, tu vas tomber. Elle vient quand? Elle vient le week-end prochain et elle a hâte de vous voir. Ouais. Je en connais une qui va être pourrie gâtée encore. Tu me passes le pain? Tiens. Merci. Mélanie, ma chérie, tu veux pas me chercher un petit bout de fromage? Ouais, ça serait gentil. À manger tout le gruyère, la petite souris ou la sorcière. Eh ben, on voit que t'as arrêté de fumer. Faut savoir ce que tu veux, hein. Je parie qu'il va craquer. Ouais. Bon, Mélodie, t'as trouvé? Qu'est-ce que tu fais? Des conneries, comme d'hab. Tu vas bien de dire ça. Pourquoi t'as sorti tout ça, ma puce? Elle dit que je pouvais prendre une glace. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, maman. Chérie, tu viens de coucher? J'arrive.
laisse pas, je veux pas. Courage, c'est bientôt fini. Je l'ai tué. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Tu m'as sauvé la vie, Sarah. Sans toi, je serais mort. Faut prévenir la police. Trouver une maison, un téléphone, on peut pas rester là. Calme-toi, faut que tu te reposes. T'es pas en état. On va prendre le break, tu sais conduire? Non. Non, je suis pas à l'aise en voiture. Ça ne fait rien, je pense pouvoir y arriver. Tu vas me laisser? Sûrement pas. On reste ensemble quoi qu'il arrive, t'as compris? Qu'est-ce qu'on fait? Je dépose son corps, je sais pas, faudrait pas le couvrir au moins? Non, vaut mieux pas le toucher. Hein. La police s'en chargera. Merde. Il va les avoir sur lui. Je reste là. C'est bon, on peut y aller.
Apprends le chemin, là. Pourquoi? Où est-ce qu'on a droit, je te dis? Attends-moi ici. Pourquoi je viens pas avec... J'essaie de trouver un téléphone. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de rester dans la voiture. T'as pu avoir la gendarmerie? Ouais, je vais arrêter d'expliquer, ils envoient une voiture chez toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Faut y aller, on nous attend au poste. Ça va pas? Sarah, dis-moi ce qui se passe. Les gendarmes, t'es sûr qu'ils vont venir? Pourquoi tu me demandes ça? Je veux que tu me dises la vérité, Arthur. De quoi tu parles? Arrête ça, s'il te plaît. L'homme que j'ai tué, c'était pas un cambrioleur. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de me prendre pour une conne! Pourquoi il te poursuivait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il avait une famille, tu le savais? Mais dis quelque chose, putain! Ralentis, je t'en prie. Sarah, ralentis! Ça sert à rien, ils sont tous morts!
voiture. Tu m'entends? Bouge pas. Bouge pas, ça va aller. Bouge pas. On reste calme. Je vais te tirer de là. Ça n'a pas l'air trop grave. La coupure est pas profonde. Je suis coincée. C'est juste au cas où. Allez, dépêche-toi de me libérer. T'as dit qu'ils étaient morts. C'est toi qui les as tués? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ce mec, il était complètement cinglé! Arrête de mentir! T'as raison. C'était pas un cambrioleur. Le cambrioleur, c'était moi. Qu'est-ce que tu dis? J'avais repéré une maison. Je pensais que les propriétaires étaient en vacances. Alors je suis entré, je me suis mis au travail. Et tout d'un coup, dans le noir, j'ai buté contre quelque chose. C'était le corps d'une petite fille. Et un peu plus loin, je suis tombé sur sa mère, morte elle aussi. Alors là, j'ai paniqué, j'ai fait tomber quelque chose et il a dû m'entendre. Quand j'ai voulu m'enfuir, il a surgi devant moi avec un cutter plein de sang dans la main. Et c'est là que j'ai compris que ce taré venait massacrer toute sa famille. Mélodie! 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 Je serais prêt à dire n'importe quoi. Tu penses peut-être que je vais te croire? Je te jure que c'est la vérité. Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Il m'a poursuivi dans l'escalier et il s'est blessé avec son cutter. Et moi j'ai foncé dans la cuisine. Je me suis planqué sous l'évier. Il est rentré et il a rincé sa lame sous l'eau.
T'as fait ce qu'il fallait. Ils nous auraient tués tous les deux. Pourquoi t'as rien dit? J'ai eu peur. Je pensais qu'on me croirait pas, qu'on allait m'arrêter. Il y a mes empreintes partout dans la maison. Je sais plus. T'as fait que mentir. Oui, c'est vrai, je t'ai menti, mais... Écoute, je suis qu'un sale petit voyou qui s'introduit la nuit chez les gens pour les voler, mais je suis pas un assassin, Sarah, il faut que tu me crois. J'ai pas de famille, hein. J'ai que toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, t'en vas pas! Qu'est-ce que je vais devenir? Une voiture finira bien par passer. Mais tu peux pas faire ça! Je t'ai soigné! J'ai veillé sur toi! Mais tu crois vraiment que je pourrais te faire du mal? Sarah! Sarah! T'es la seule personne pour qui j'existe! Alors si je t'ai perdu, je préfère crever! Qu'est-ce que tu ferais? Tu n'as rien à foutre de ce qui peut m'arriver! Pardonne-moi. Non, c'est ma faute. Je te mentirai plus jamais. Métal. Tu l'as retrouvé. Je veux que ce soit toi qui l'aie. Je peux pas accepter. Non, non, s'il te plaît, garde-la. Elle m'a toujours porté chance. Viens, appuie-toi sur moi. Pas trouver une maison. Il faut continuer.
te la rendre. Je suis fatiguée. Mm-hmm.